TSN Yondaime de l'arbre loser à GES Manounou, cette fois winner. Ne ratez pas ça, ne ratez pas cette grande finale. Allez, ça gros choc. Ça vraiment, ça promet vraiment. Donc même si vous n'avez pas vu le stream, regardez-nous à cette timeline là parce que. Est-ce que ça c'est vraiment le moment à ne pas rater, le dénouement final donc de ce tournoi, et on saura finalement qui sera le héros. Oui, qui sera le héros. Voilà, bon monsieur Tafabé. En tout cas, toi, Phoenix, ça sera pas toi, mais il y aura GES Manounou qui a fait un excellent tournoi. Donc il n'a rien perdu. Oui. Et TSC Yondaime qui malheureusement pour lui a perdu et devra resetter la grande finale. Ouais, pour sortir vainqueur. Oui, voilà. Il devra reset et ça risque d'être dur avec un adversaire comme Manounou. Eh oui, totalement. Et surtout, on a vu la forme. Oui. On a vu la forme et la préparation de Manounou. L'épouvantail de GES un peu. GES, voilà. Mais d'un côté, il ne faut pas sous-estimer Yondaime aussi parce qu'il a l'habitude justement de reset. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est aussi un joueur de très haut niveau. En fait, les deux joueurs sont de très haut niveau. C'est vraiment les deux étoiles filantes de la nouvelle génération actuellement. Ouais. Filantes, pas parce qu'ils sont rapides en termes de performance, mais parce qu'ils vont tellement vite par rapport à nous. Oui. On a l'impression que nous, c'est Krillin et Yamcha. Et là, t'as Goku et Vegeta de l'autre côté, en fait. On est vite dépassé, les dieux, on se fait vite dépasser parce ouais, que c'est vrai. Il joue à Tekken depuis, je sais pas, maintenant il le joue depuis uniquement Tekken 7. Contrairement à nous, à Yondaime. Enfin, il a fait un peu Tag 2 quand même. Il a juste touché Tag 2 parce que c'était à la fin de Tag 2. Mais après, c'était vraiment sur Tekken 7 qu'il a commencé. Ouais, il a commencé à dérouler, exploser. Oui, en 6 ans de jeu, avoir un tel niveau. Ouais, c'est incroyable, hein. C'est incroyable quand même l'évolution de ce joueur. On l'avait suivi et aussi son gameplay, sa personnalité, c'est un mind game aussi. Pas uniquement lui parce que même Yondaime, je me souviens encore durant la TGW, depuis 2018, il était encore dans les top 40, top 50. T'as très loin du lot de tableau. Ouais. Mais ils n'ont pas arrêté de faire des efforts en fait, et c'est ça qui est vraiment beau, qui fait vraiment vibrer et qui fait aussi qu'on les encourage, même si on est un peu des rivales, tous des rivaux, tous des adversaires. Mais la compétition, ouais, c'est la compétition. C'est la compétition, on est tous rivaux, on est tous adversaires, mais voilà, on n'est pas jaloux, Et surtout, on a perdu, donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça, voilà. Il n'y a pas d'excuse. Voilà, aussi. Que le meilleur gagne, c'est ouais, ça la compétition. Du coup, est-ce que les deux sont prêts? Alors, en attendant, peut-être qu'on va marquer. Ok. On va peut-être marquer une petite pause juste avant cette grande finale. Je pense qu'on peut rester un peu parce que Manu est déjà en train de revenir. Mais il revient. Ouais, il revient des toilettes. Du coup, ça va directement lancer. Ah bah non, détrompez-vous, Manounou, il n'est pas en train de se défiler. Hein. Il est juste, il a fait une petite pause, je sais pas. Il a fait une petite pause encore. Voilà, pause besoin. Je pense, oui. Ah ben bah voilà, le voilà. Il est en train de venir. En tout cas, très bon parcours de Wixler qui est tombé juste tout à l'heure. Ouais, voilà. Donc ils vont jouer à Jaken pour déterminer un peu le côté. Voilà, ils vont choisir les côtés. Ok. Donc. Et on sait que les deux affectionnent particulièrement le côté P1, ouais, le côté gauche. Oui, le côté gauche. Le premier player, du coup, je pense que. C'est Manounou qui a gagné. Là oui, c'est clairement oui, puisqu'il se met à gauche. Ouais, il se met à gauche. Et là, on
va directement entamer le début du match, hein, sans plus attendre. Et voilà, donc échauffement terminé, je vais piquer tout ça. Ah là là, bref, moi en tout cas je suis excité par cette grande finale. Ouais, exactement, dis, là, ouais. J'ai hâte de voir, de les voir combattre. Et un pronostic peut-être. Pronostic. Allez, on va jouer comme ça. Pour une fois, on va essayer de commenter en étant moins impartial. Ah, du donc coup, on va pas du tout être neutre. Enfin, pas vraiment trop neutre, mais je veux dire, tu seras beaucoup plus content si l'un fera entrer un jeu et moi je te montrerai pour moi D'accord, on va prendre, on va jouer un peu. Ouais, on va jouer un peu, on va la jouer un peu au commentateur, un peu sale, un peu. Voilà. Pour changer un peu. Donc tu prends qui? Moi je vais prendre Eh ben, je prends Hyundai Mi, donc. Il restait plus beaucoup de choix en même temps. Non, mais en même temps, j'affectionne particulièrement les joueurs de Mishima. J'en suis moi-même un. Donc c'est naturellement un choix pour moi. Même si je sais qu'à côté, en face, c'est vraiment l'opposition la plus dure qu'on puisse avoir, je crois. En tout cas, à mon avis. Un très gros obstacle, vraiment. Voilà, c'est... Le morceau, personne ne veut l'avoir sur l'arbre quand t'es en tournoi. Manounou, même chose pour Hyundai Mi. Hyundai Mi, oui, voilà. Et justement, c'est ça, ça risque d'être fort. Donc, en tout cas, je suis sûr que tu affectionnes plus Mishima. Hein, oui, totalement, oui. Je suis un joueur de Mishima. Donc évidemment, c'est plus ça, mon gameplay. Donc, on y va. Manounou contre Hyundai Mi, 7-1. Ok. Ouverture. Ouverture qui passe. Le jack. Attention à 4. Flash two. Punch. Et encore un stick. Encore. Wow. Et cette fois, il s'est pris le reversal. Ah, je t'arrête là, Dadi. Je sais pas si tu te souviens de cette phase de jeu. Oui. Sur la finale du Next Level Play. Oui. Il était un peu passif. Ouais. Manounou, mais cette fois-là, il a bien réagi. Ben ouais, il a bien réagi parce que voilà, first blood pour Manounou. La salle qui est en feu également. Ok, jab check, électrique. Bien joué, encore une fois, électrique. Cette fois, ça fait mouche. Ah, ça fait mouche. Il a dit au ça mur. Va faire mouche un jour ou l'autre. ok, on y va. Oui. Ou si on met un voltmètre sur Paul Finex, là je pense qu'il... Il a pas continué. Et 3000 volts. Oh, le Blue Fist. Attention. Là il a Est-ce pris. Que ça va plus Hey. Est-ce que ça sera suffisant? Non, c'est pas suffisant. Mais attention. Là, il y a grosse prise de risque. Grosse prise de risque de la part de Hyundai Mi. Bien joué aussi de la part de Manounou. Là, il faudra réagir. Oh, et là, on compteur. Démolition Moman, il n'y avait pas assez de distance. Et attention, il a cancellé. F4. Hardstick. Electric. Ça c'était bien. Anticipé un peu. Attention, ultimate take-off. Bien joué. Superbe mouvement. Et attention, là ça sera. Et non, il n'y a pas de punish. Regarde. Ils sont pas placés par les axes et par l'électrique. Ah bah non, c'est en même temps. Regarde, ça leur fait rien. On dirait ça ce leur genre fait de rien de voir tout ça. Ils boulent vraiment, ils jouent vraiment au ticket. Ah, moi j'aurais déjoué déjà. Moi aussi, si je m'étais pris ça, je serais déjà figé en fait par le pressing. Oh, et par, regardez-moi ça, par la pression, tout ce courant. Ça va se placer, ça va faire mal. Le rush dry, le stomp. Oh. Qu'est-ce qu'il va faire? Il laisse de l'espace. Oui, il joue sur le temps. Clan. Bien joué. Bien joué. TSN Dame qui vient s'inscrire. Attention. Le counter suivi de la garantie. Voilà. Cette gestuelle de Manounou, très bien fait. In out. Wow. Nice. Voyez-vous. Et électrique pour le combo. Le counter. Il avait passé une distance. Wow, ça sera fini ça. Encore une fois. Et attention, là le Comment tu peux penser à
réussi à finir ça avec un Delphi. Avec un lot, ouais, c'est... ouais. Mais pourquoi pas? Ah ouais, pourquoi pas? Après tout, il y a le delta de Fram. Donc, ouais. Non, mais vraiment, c'est l'exécution. C'était au niveau de l'exécution, ouais. Au niveau de la barrière, en fait. Tu te demandes, parce que là, en fait. Là, ça paraît simple, mais en fait, il faut passer par neutral. Ouais, parce qu'il a bloqué un lot. Il fallait passer par neutral avant de faire le démolman. Ouais, c'est très bien joué, ouais, en tout cas, de la part de Maminou. Je pense aussi qu'il a bien étudié le perso aussi, parce que. À chaque fois aussi, il y a lui Yashi là qui lui barre la route. Donc, oui, totalement. Et là, justement, changement de personnage. Yandaime qui ne veut plus, comme d'habitude, il suit sur Asuka. Ouais. Alors là, je pense que ça va être assez alors, dur pour le Asuka, match de pôle. C'est un peu moins là, ouais, le Mishima. Le Mishima le classique, mais on sait très bien, Yandaime il est très dangereux avec Asuka. On le confirme de la part de Yandaime, bien joué. Oh, le Red Drive, attention, un dernier mix-up, qu'est-ce qui va se passer? Et oh là là, Slow motion en faveur de Manounou. Et ouais, Manounou qui s'en sort finalement. Et c'était risqué, il lui restait pas beaucoup de vie. Bien joué. Et attention, là, il est lancé. Le chicken. Ok, là c'est chaud. Là ils sont vraiment concentrés à 200% les deux. Attention, le flash frame. Même dans les 100 points, il est perfect. Bien joué de la part de Yandaime qui se rattrape. Voilà, une seconde de passivité, voilà, tu te prends la blocade. Oh, le 7-step des fistes. On le sent dans l'abdomen. Ah ouais, même moi je l'ai senti. Bien joué. Bonne patience de la part de Manu sur le troisième hit. Oh, contouré. 1+2. Et attention, qu'est-ce qu'il tente. C'était risqué de la part de Yandaime. Mais Manu qui n'a pas du tout bronché. Ouais, il n'a pas bronché. Waouh, bien joué. Oh, attention, oui. Wow. US3, pas passé en compteur. Bien. Et qu'est-ce qu'il nous fait là, Yandaime? Il décide de mix. Ah, le fist. Encore. Bien. Pour terminer. Manounou finalement qui s'en sort bien avec eux. Un sale qui est en feu. Ouais, il s'en est bien sorti avec son adversaire au mur. Ouais. Bien géré. Bien géré. Ah mais c'est chaud, c'est vraiment chaud ce match. Oh là, c'était dangereux ça. Parfait. Bien joué le cash block. Le conseil pour Yandaime, bien joué, les deux joueurs qui lâchent rien. Ouais, mais Manounou qui profite de ce petit avantage. Encore une fois, voilà, le finish. Voilà, qui finit un lot. Oh, bien joué. Attention. Ah, le super recovery sur le UF3. Wow, le DF2. Et un petit attention beat. Au DF2. Oh là là, ça, ça aurait pu faire des dégâts. Oui. Oh, le rendu en bullshit. La signature du pays sur ce dash. Il faut pas oublier sa nationalité, on est en Madagascar. Exactement. Ici à Madagascar, le dash, ça se punit également. Ouais. Et Manounou là donc qui prend les devants 2-0 et qui a un game de remporter ce tournoi. On y va. C'est pas encore fini. Sur Tekken, rien n'est jamais joué. Hein. Et surtout pas le chaos final. Et surtout pas avec ces deux-là. Ouais, surtout pas avec ces deux-là, justement. Rien n'est jamais joué. Voilà, Asuka Kazama. Main caractère de TSM Yandaime. Allez, attention, compteur. D'emblée. Ah. Là, il a droppé. Ouais, mais heureusement. Ouh, le défi, ça va faire mal. Voilà Manounou qui drop, mais il se reprend très bien juste après. Ok. Et voilà. Le whiff finish, il attend pas. Réglé assez vite ce premier round. Ce premier round. Avec Paul aussi, c'est assez normal. Avec les dégâts. Kilo des deux côtés. Hey. Le risque sur ce coup. Il n'a pas trop. Il note des petits lots. Bien joué. Bien préparé de la part de Yandaime, le duck. Ah, cette patience de Manounou. Patience de Manounou. Parce qu'il sait aussi qu'à la moindre erreur, ça va faire mal. Le justement, et le voilà au mur. Ah, il décide de mix. En
encore une fois, le même game de la part de Yandamé. Il prend quand même beaucoup de risques, Yandamé, même si là c'est payant. Là, il va au mur. Ça va au mur. Très bien joué. Égalisation sur ce troisième match. Bien joué. Ok. Hey, oh, le coup parfait. Là, c'est bien synchronisé. Un lot qui est. Il la concèle cette fois. Le pressing. Oh. Ça n'arrête pas. Et voilà, tu restes au mur, tu bouges mur, pas. Tu bouges pas. Ah, mais Yandamé qui. Non, il se laisse pas faire. À, oui, il arrive à s'extirper. Et nous revoilà au milieu du stage. Le bar dash, le dash block, tous les mouvements sont là. Ouh. Hey. Oh, bien joué le finish. Et attention, oh, ultimate tackle. Bien joué, bonne défense. Et là, oh, oui. Le whip finish. Ça sort pas de dégâts. Ça va faire mal. Et, oh, et. Demo man. Demolition man. Et on est à deux doigts. Voilà, c'est tournament point, ouais, tournament point, c'est hero point en fait. Bien joué, mais c'est pas fini. Non, non, c'est jamais fini, oui, on c'est sait. C'est jamais fini, en et plus là, en face de nous on a ouais, voilà, bah, par exemple. Aussi notre quadruple champion, hein. Donc il faut pas se laisser faire. Oh, oh le Blue Fist. Oh, oh là, il se fait lancer. Le coup parfait. Ah là là. Justement, là, Yandamé qui répond, ouais, qui essaie de rester en vie. On rappelle. Il doit gagner donc 3 fois d'affilée. Oui. A commencer par ce round. Oh, hey, fois, c'est bien. Hey. Il cherche le mur. Pas de mur. Ah, il cherche le tackle. Ah, il a réussi à ducker. Le finish, voilà un trade. Le oh. Et attention. Oh, le coup parfait encore une fois. Voilà. Et voilà, il survit. C'est bon. Et Yandamé qui. Pas fini. Non, il n'a pas lâché l'affaire, ouais, il n'a pas lâché l'affaire. Avec ce personnage, Asuka Kazama, qui est son main, on le sait. Mais toujours derrière dans cette grande finale. Toujours derrière, oui. Mais en tout cas, c'est pas encore fini. Et du coup, on y va sur ce game 3. Et voilà. Game 4, désolé. C'est 2-2. Ouais, non, c'est 2-1. C'est 2-1 plutôt. On est oui, au game 4. Bien. Ah oui, game voilà, 4. Effectivement, on fait un peu les comptes. Ouais. Et bien joué. Et attention, là, c'est bloqué. Et c'est pas puni, par contre. Je sais pas si Asuka a la capacité de punir. Ouais, de punir sur bloc le Death Fist. Je pense que si on est vraiment préparé, c'est possible. Mais là, c'était en shadow hit. Et le compteur sur le deuxième hit. Et voilà, Yandamé finalement qui prend les devants sur ce round, sur ce game. Bien joué de DF2, le dash block. Low en compteur. Low pari, bien joué. Tu t'arrêtes là, il a dit. Ouais. Non, je vérifie mes jambes. Faut pas tester. Oh, et joué. Attention, là le kick charge. Oh. Et en compteur, hein, avec le kick charge. Ouais, attention. En compteur, justement. Hey, il y avait un reversal. Il a eu un reversal. Ah, bien joué. Il hey, qu'est-ce pas. Qu'ils font là. Qu'est-ce qu'ils font. C'était. Ah là, non mais là il la joue vraiment sale, tu vois. Du genre, il fallait bouger, tu vas pas manquer bouger. Plus en fait. Oh, oh là, Death Fist. Là, le Death Fist en Wii. Attention au DF2. Vraiment, en traître. Final round. Le DF2 de deux côtés hein, qui passe en compte tout le temps. Ouais. Alors il y avait ce moment très romantique, ouais, où très romantique ils étaient, de la part, ouais, ils voilà, étaient un peu face à face. Il fallait juste une bougie, je crois. Et la chanson avec ouh. Ouh, ok, le coup parfait encore une fois. Back 3. Hein, et ouh, avec le F1, F2. Je peux pas attendre. Bien joué le jab check. Wow. Okay, il a pas réussi à convertir, mais gros dégâts quand là, même. Il se rattrape sur le. Mais attention, un oui. Encore une fois. Oh, bien joué. Oh, ça va faire mal. Il décide de mixer. Bien joué, le red drive. Et attention. Ah, c'est un coup. Kessen Yandamé qui arrive à trouver l'ouverture. C'est pas fini. Voilà, il est à un round d'égaliser. Ok, 1-2. Bien joué. Et voilà, on s'approche et on recule. Flirt avec le clutch. Cancel. Et oh. Bien trouvé. Attention, le FF4. Oh, hey, le DF2, il aurait cette pu être lancé. Passé. Hein. Ouais, ça aurait pu lancer. Oh. Ah, bien joué. Cette fois-ci, il a anticipé. Bonne, le coup parfait. Bonne réaction. Oh. Et attention, oh, le coup parfait, comme tu dis. Ouais. Et là, je pense qu'on aura beaucoup ouais. De. Ah, tu gagnes, wow. Et là, c'est. Oh, le droit de
Ah, il l'a raté. Ouais, ah, pas de tech. Ah, le reste. Le backstick bloqué, pas passé. Attendez. Attendez, là il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est pas normal, non. Est-ce que j'ai bien vu Asuka faire un chicken? Est-ce que j'ai vu ça? C'est Asuka qui a fait un chicken tout à l'heure. Mais le chicken non plus, c'est pas ça, mais le backstick bloqué. Ouais, après encore ça. Mais à partir de ce move là, tout est parti. On a ce qu'on a compris. Voilà, c'est Tekken ou qu'est-ce qu'il fait là? Ah en tout cas, c'est du Tekken, c'est quand même du très bon Tekken. En tout cas, c'est très rare de voir ça, Asuka. Ouais. En général, c'est le personnage qu'on chicken. Et finalement, en fait, il a un peu anticipé parce que justement, il a envoyé le Fatal. Et justement, pour anticiper le counter de Manu. C'est incroyable quand même, parce que déjà le reversal de Manunu était assez imprévisible. Et encore là, c'est un chicken. C'est vraiment fou. Voilà, ouais. Okay, on y va. Et là, c'est Feng Wei maintenant qui a été sélectionné par Manunu. Final game, pré-reset. Wow. Attention, un compteur déjà. Ouais, on y va. On va se calmer un peu. Non, on peut plus se calmer, là c'est impossible. Là, on est à fond dedans. Mais là, ça va être puni. Bien joué. Okay. Oh, un compteur. Le coup parfait. Mais là, il ne pourra pas convertir. Il ne pourra pas dessus. Le c'était compliqué. Et attention. Et le lot pour terminer. Voilà. Il s'est exposé à un 50-50, voilà. Obligé. C'était obligé. Et bien joué de la part de Yondaime qui reprend la tête finalement. Pas de whiff finish. Et encore. Et encore ce back free. Il force le back free justement. Et bien joué le cancel. Il nous avait préparé encore des mix-up de malades là. Oui, le petit pop-poking par-ci par-là de la part de Manunu. Des jabs. Des jabs pour interrompre. Et attention sur reversal. Ah non, mais c'est bien joué. Il l'a joué très patient. Il l'a joué très fine. Très clean. Exact, oui. Mais en tout cas, il est prévenu parce que de l'autre côté. De l'autre côté, c'est. C'est prêt à. Voilà, c'est prêt à prendre le reversal. Counter hit suivi de garantie. Bien joué. Et attention. Dash block. Encore. Le tempo. Attention. Pas de whiff finish. Pas prendre trop de risques là-dessus. De risque. Voilà, le back one. C'était bloqué. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, le counter hit sur le DB3. Voilà. Choisis mon frère. Et voilà. On y va avec le coup parfait. Oh, bien joué le delay. Il a réussi à ducker ce move. Non, il a pas ducké, il a delayé son quick roll. Et attention, peut-être un dernier mix-up. La tête. Et voilà. Pas reversal, la tête. Oh non, pas la tête. Allons, pas la tête. Pas la tête. Et le headbutt, c'est toujours une. C'est très utile pour Fang Wei. C'est très utile justement contre Asuka. Bien joué. Superbe défense de la part. Et attention, là c'est puni. Là c'est bien puni. On va au mur. Échappe le mur. Et. Ok. Avec un petit lot pour confirmer. Attention, oui. Bien joué le changement de côté. Là, on est en malade. On se cherche. Attention, Feng Wei adore ce genre de situation. Justement. Bien joué, bien fini. La part 2. Oh. Encore une fois, le finish, pas de finish. Et qu'est-ce qu'il y a là? C'est des whiffs. Il l'a joué. Hop kick. Et on ira en bas. Non, on n'ira pas en bas. Il préfère la mix. Plage, c'est pour une autre fois. Ah, il n'y avait pas assez. Oh là là, il donne le dos. C'est dangereux. T'es rien. Final round sur ce bat pré-reset. Ouais, voilà. Ah, là, reset c'est chaud. Ou la salle est en feu. La salle est en feu. Donc, sacre ou reset sur ce round. Attention. Ah, ouh. Superbe défense. Finish. Quelle finition. Juste les one jump. C'est vive de la suite. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien joué. C'est possible. Oh, la. Un whiff. Et voilà, on l'a notre champion, notre héros du tournoi. C'est donc GES Manunu. Tout bien.
tant plutôt bien, parce que ça serait vraiment le premier joueur à faire tomber Yon Daime en tournoi. Et vraiment, félicitations à GS Manounou. C'était un très 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 beau match. Oui, on aura forcément un replay sur ce match, parce que vraiment, ils nous ont sorti du totem de malade. Ils nous ont vraiment sorti un gameplay de malade là, du très bon, du good ass taken. Yeah, good ass taken, comme on dit aux États-Unis. Comme on dit aux États-Unis. Et merci encore à tous ceux qui sont restés avec nous avec le stream. C'était chaud. Exactement, merci à vous d'être restés pour ce tournoi, pour cette finale. Oui. Merci à Orange de nous avoir invités. Restez soir avec nous. Donc vraiment. Vraiment, c'était une grande finale de malade. Finale de malade, absolument. Mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le commenter, à le regarder. Et aussi des maux de ventre aussi, en passant, parce que tellement il y avait du hype. Oui, justement, il y avait du hype. Malheureusement, on n'a pas eu de la cam sur le public, mais sinon, ça aurait été vraiment. Ah ouais, le public parfait. Aussi, ils étaient en feu. Ils étaient restés avec nous, vraiment, merci à eux. Ils étaient en feu, ils étaient chauds. À chaque match, vraiment, c'était vraiment chaud. Ça fait juste chaud au cœur de la part, donc vraiment. C'était beau. C'était extrêmement bien joué de la part des deux joueurs. Donc, victoire de Manumun, mais très bonne performance de Yon Daime, mais aussi de Wixler. Oui. Et on se souviendra aussi des autres joueurs qui ont fait une bonne performance, notamment aussi TSN Venom qui a fait un très bon tournoi. Justement, qui m'a éliminé. en passant d'ailleurs. Oui, voilà. Mais vraiment, merci à tous qui ont participé. Merci à